بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة قلعة الفيزياء مرحبا بكم في فيديو جديد لنشتغل على الجزء الثاني من الدرس الثاني المتعلق بالذرات والأيونات لزاتوم إليزيو خاص بمستوى الثالثة إعدادي خيار فرنسية دونك لي ما شافش الجزء الاول لا فيديو اذا نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا لا فيديو اذا لابد من الاطلاع على الجزء الاول اللي كيتعلق كي لي شفنا فيه أدرنا فيه بالخصوص على لي باش يمكننا نكملو الجزء الثاني المتعلق بلي زيون بالايونات الوغ على بركه الله غنبداو هاد لوكور ديالنا اذا في لا بروميير بارتي هضرنا على اون طرافاي سور لي زاتوم عرفنا سي كو ان اتوم كي سون سي ديكو اون دي كو لاتوم اي كونستيتي دان ان نويو اي دي زيلكترو اي اون كو شاك اتوم سو كاركتيريز بار ان نيميرو اتوميك زد دونك شاك اتوم عندها واحد لو زد ديالها ان نيميرو اتوميك تيميزها Elle les atomes lochorn. Très bien. Alors, on va commencer par une définition. Alors, c'est quoi un ion C'est quoi un ion Donc, en général, un ion est un atome. Il enflasse le atom. Est un atome ou bien un groupe d'atomes. Je ne pas de l'atome ou bien groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc, l'ion enflasse. C'est un atome. شنو وقع لها سوا الى غاني ربحات اكتسبت الى غاني ولا فقدات او بيان الى بيردي شنو شنو تقدر تكتسب شنو تقدر تفقد لي زيليكترون سوا ان الكترون سوا دو زيليكترون سوا ترو زيليكترون اكسيتير دونك ان نيو سي طن اتوم او بيان ان غوب داتوم كي كيي غاني او بيردي Un ou plusieurs électrons. C'est-à-dire que le de l'aslédial a dit les électrons, les 9 premières parties Z, le numéro atomique, je n'ai pas dit, il a dit, il a gagné ou bien il a perdu. Il a dit, il a dit, il a dit, il a il a dit, il a il a il va changer. Donc, quand je me suis au à temps. on va l'appeler quoi On va l'appeler un ion. Voilà, très bien. Donc, ça pour la définition. Alors, selon la définition, on aura deux types d'ions. C'est la définition de donc on aura deux types d'ions. Premier type, ce qu'on appelle l'ion positif ou bien cation. L'ion positif ou bien cation. Deuxième type, c'est l'ion, on aura l'ion négatif ou bien l'anion. Donc on dit des cations et des anions. Les, ou bien l'ion positif et l'ion négatifs. Alors, on commence par l'ion positif ou bien le cation. Alors, l'ion positif ou bien le cation est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu donc fkdets. Donc, l'ion positif, c'est un atome qui a perdu les fqdets un ou plusieurs électrons. Donc, l'atome lorsque perd des électrons, il se transforme en ion positif ou bien cation. Exemple. Exemple, d'ion positif ou bien cation, par exemple, l'ion de sodium Na, l'ion de cuivre, CU2, ou bien l'ion d'ammonium, NH4. Là, donc, il y a un plus. Ce sont des ions positifs. On dit plus, de plus, l'H2. Ça fait un ion de plus le fort, donc c'est un ion positif, c'est un cation. Alors, c'est quoi l'ion négatif ou bien l'anion? Donc, l'ion négatif est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Donc, lorsque l'atome gagne des électrons, il se transforme en ion négatif, ou bien anion. Et lorsque perd des électrons, il se transforme en ion positif. Alors, exemple d'ion négatif, ou bien des anions, on dit des anions. Par exemple, l'ion de chlorure. Cl- L'ion d'oxygène, O2- Ou bien l'ion de sulfate, SO4- -2 Donc ce sont des ions négatifs Ça, va qu'il signe moins le fort On va le un plus tard Donc il y moins le donc c'est un ion négatif C'est un anion. qui Il plus le fort c'est un ion positif Très bien On peut aussi parler d'un ion monoatomique ليون بولي اتوميك كاين واحد التصنيف اخر من غير هذيك واش سي تان كاتيون او بيان أنيون، نقدروا نهضروا على واش سي تان مونو اتوميك او بيان انيو بولي اتوميك الو سي كوا ليون مونو مونو بادون مونو, مونو, مونو اتوميك بالعربيه تنقولوا احادي الذره ايون احادي الذره مونو اتوميك دونك سي ليون فورمي ا بارتير دان سول اتوم دونك ليون اللي تيجينا من ذره وحده Donc c'est l'ion formé à partir d'un seul atome. Par exemple, l'ion sodium Na ⁇ Donc il est formé à partir de l'atome de sodium Na. Il y a un seul atome. Si j'ai un seul atome, il y a Na. CE2, si j'ai un l'atome Cu, il y le cuivre. CL-, si j'ai un atome, l'atome de chlore. CL. O2-, si j'ai un atome, il y l'atome d'oxygène. Donc, ces ions qui ont une un seul atome, Donc, on les appelle des ions monoatomiques. Ça C'est clair Très bien. Deuxième type, ces ions polyatomiques. en l'avez bien entendu, ion multi-électrifié. C'est une figure bizarre. Tu n'as pas un seul atome. Tu n'as plusieurs atomes. Donc, ces ions formés à partir d'un groupement d'atomes. يعني الايون اللي تيجينا واحد لونسومبل ديال لي زاتوم ماشي مع اتوم وحده بحال اش اكزومبل باغ اكزومبل بحال ليون امونيوم ان اش 4 بلس دونك هذا تيجينا مع ان غروبمون داتوم حيت عندنا ان سي لاتوم دو نيتروجين عندنا اش سي لاتوم دي هيدروجين ما عندناش اتوم وحده عندنا غروب داتوم دونك هذا كامل اون لابيل ايون بولي اتوميك H au moins, cest l'hydrogène H est O, l'oxygène, donc c'est un ion polyatomique. S so au 4 de moins, donc là S, c'est l'atome de soufre, et O, c'est l'atome d'oxygène, donc c'est un ion polyatomique. Donc c'est très simple, l'ion monoatomique, donc il est formé d'un seul atome, l'ion polyatomique, il est formé à partir d'un groupement d'atomes très bien donc on peut classer les ions de type soit des cations des anions ou là aussi on peut parler d'un ion monoatomique et polyatomique on passe au troisième partie. on va parler de ce qu'on appelle le symbole de l'ion. comment on peut écrire le symbole d'un ion voire que de moins 3 plus plus le fort etc donc en général un ion est noté par le symbole de l'atome il donne le symbole des lion si qu'on voit le symbole l'atome atomes négatifs ça fait voilà qui avec en exposant un colon a dû le en exposant soit le nombre des électrons perdus on signe plus. Il a quand l'atome il a perdu. Quand on il a les électrons perdus. Il a plus. a perdu un électron, On plus ou Il a perdu deux électrons, en deux plus. Il a perdu trois électrons, en zéro trois plus. Alors, l'exposant là avec il a le nombre des électrons gagnés il a quand l'atome gagne des électrons. Mais je vais vous les électrons gagnés par le signe moins. cest dire il a gagné un électron, on va faire moins. Il a gagné deux électrons, donc on dirait deux moins. Il a gagné trois électrons, on dirait trois moins. Exemple. On a l'atome S. C'est l'atome de quoi C'est l'atome de soufre, le kibrite, le soufre. Maintenant, c'est l'atome de soufre. Il gagne deux électrons. C'est juge de Il gagne deux électrons. Alors, quel sera le symbole de l'ion Ou bien la formule chimique de l'ion. L'ion de soufre. Donc, ce sera le symbole de l'atome. Le question de l'exposant. Donc, il a gagné deux électrons. Les électrons gagnés, ça un brûlé le signe moins. juge. Donc, on va faire deux moins. En exposant Deuxième exemple, l'atome d'aluminium, elle a l'atome d'aluminium, il a la possibilité de perdre trois électrons. Donc il va se transformer en ion d'aluminium. Alors quel sera le symbole de l'ion de l'aluminium? Donc toujours le symbole de l'atome. Et en exposant, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter 3. Plus. Et la perte des trois électrons va faire 3. Plus. Dernier exemple, Na, c'est l'atome de sodium. Donc, l'atome de sodium, en général, il a la possibilité de perdre un électron. Elle perd un électron. Donc, le symbole de l'ion de sodium, ça sera Na, et on va ajouter un plus. Donc, il a perdu un électron. Donc, l'ion sera de symbole Na+. C'est clair Donc, je crois que c'est très simple. Donc juste, on va essayer de comprendre cette règle. Donc c'est très simple. Les électrons perdus, on leur représente avec le signe plus. Les électrons gagnés, plus les électrons gagnés. on leur représente avec le signe moins. On ne va pas faire mathématique. 2 moins -2 +3, parce que la plupart ils vous 2 -2 +3. Non, parce que hit le mathématique, normalement le signe c'est précède le عدد en mathématiques. Mais ici, nous on va représenter le nombre d'électrons perdus ou le nombre d'électrons gagnés, mais on ne va pas faire les voilà. Alors, partie 3, on va parler de la charge d'un La charge d'un Alors, qu'est-ce qu'on avait pour l'atome L'atome, il est électriquement neutre. Il est électriquement neutre. Je a la charge d'elle est toujours. toujours. la charge d'un atome est égale à 0. Elle est le nombre des charges positives dans le noyau et égale au nombre des charges négatives des électrons nous que la somme tienne toujours zéro donc on a dit que la que l'atome est électriquement neutre n'y n'a pas de charge sa charge toujours égal zéro alors recherchez quel atome l'ion est est-ce qu'il est électriquement neutre non les ions sont chargés électriquement c'est-à-dire ils ont une charge mais qui les attend alors on faire, on un exemple par exemple l'atome d'oxygène son numéro atomique Z égale à 8. Elle a le de l'atome d'oxygène avec l'ion, les assassins. Donc, l'atome d'oxygène, Z égale à 8. Elle a à gauche. On a à gauche. à droite. Donc, donc, Z égale à 8. C'est-à-dire que l'atome a 8 charges positives dans le noyau et il a 8 électrons dans le nuage électronique. Donc, l'atome d'oxygène, le symbole, c'est O. Donc, quelle sera la charge des électrons de cet atome La charge des électrons. Ça sera, donc, la charge des électrons en général, c'est moins ZE. Faites le cas Z égale à 8. Donc, la charge des électrons, ça sera moins 8E. Il y a les la culon E. A de Coulomb, à des culons, cest à la charge. La charge des électrons. Culon E, c'est-à-dire la charge des électrons. Donc, égale à moins 8E. Quelle sera la charge du noyau de cet atome la charge du noyau, en général, Q de noyau, c'est plus e. Dans ce cas, ce sera donc Q de noyau, la charge du noyau, c'est plus 8E. Quelle est la charge de l'atome câble, la charge totale C'est la charge du noyau plus la charge des électrons la l'atome. Il va nous donner 0. Donc QA, c'est-à-dire Q de l'atome, la charge de l'atome, égale 0. Toujours égale 0. Donc on dit que l'atome, il est électriquement neutre. Sa charge toujours, sa charge totale égale 0 À l'atome d'oxygène, dans des conditions mouïyana, il a la possibilité de gagner deux électrons. Ma deux la flèche, les L'atome d'oxygène gagne deux électrons. Il va gagner deux électrons. Il va se transformer en quoi d'oxygène, on va l'appeler l'ion oxygène, retour l'ion. Donc, on aura l'ion oxygène. L'atome d'oxygène, le symbole O. Alors, l'ion oxygène, quel sera le symbole Il a gagné deux électrons. Donc, on va faire O de moins le fort, puisqu'il a gagné deux électrons. D'abord, on va parler de l'ion oxygène. Alors, l'ion, je vais aller à l'électron. Je L'atome, je Il a 8 électrons dans le nuage. Donc, l'atome a gagné deux électrons. C'est-à-dire, il a eu un de l'électron. Il a eu un de l'électron. Il y a eu un de l'électron. Il la charge des électrons de l'ion. La charge des électrons de l'ion d'oxygène. Donc, il y a de l'ion. C'est-à-dire, la charge de l'ion, ce sera moins 10 E. Après, ça sera E. Il y a eu la charge du noyau de l'ion. Il y a eu le noyau. Il y a eu le noyau. هذيك لاطوم اللي تحولات لايون واش لو نوايو في الوسط وقع عليها شي شونجمون تزاد فيها شي حاجه ونقص فيها شي حاجه نو دوك لو نوايو ما كتقاش وبالتالي لو نوايو د لاطوم تتكون هي لو ديال ليون اللي تيوافقها يعني ما تيتغير فيها والو وبالتالي لا شارج دي نوايو د ليون هي لا شارج دي نوايو د لاطوم سادير هي بلس 8 او اه. شنو اللي تغير اونتر لاطوم اي ليون Sélectionnez le nombre d'électrons. Le lion, là, vous avez deux électrons. Obtenez la charge des électrons, c'est-à-dire que ce sera E. D'abord, je mets la charge du noyau, dit lion, plus la charge des électrons, dit lion. Vous êtes à zéro? Non, mais c'est zéro. Donc moins 10 E plus 8 E, ça donne moins 2 E. Et de moins 2 E, il y la charge totale, dit lion l'atome, la charge est à a une charge. Donc, il n'est pas électriquement neutre. L'ion toujours une charge. la charge noyau est la charge des électrons. la On dit que les ions sont chargés électriquement. Très bien. On passe à un exercice d'application. Résumé futur à Alors, on aura un tableau. Je vais le faire l'atome ou l'ion Alors, pour l'atome, on aura le symbole, le numéro atomique Z, la charge du noyau de l'atome, la charge d'électrons de l'atome, la charge de l'atome. Pour la partie ion, on aura le symbole l'ion, nombre d'électrons de l'ion, bien sûr, la charge du noyau de l'ion la charge des électrons des l'ion et la charge de l'ion. Alors, on commence par la première ligne. Donc, attention, ça de la vidéo, c'est un l'exercice. d'exercice. Je chauffe la correction, mais je fais dire. Alors, première ligne, je note à pas à. on a l'atome. Donc, le symbole O. C'est-à-dire, on va travailler sur l'atome d'oxygène. Attends, on a son numéro atomique Z égal à 8. C'est-à-dire, qu'on on se la charge du noyau au de l'atome. Donc, la charge du noyau, c'est plus Z e c'est-à-dire que ce sera plus 8e. La charge d'électron l'atome, c'est moins ZE en général. Moins ZE, dans ce cas, c'est moins 8e. La charge de l'atome KM, a toujours gna égale à 0. La charge du noyau plus la charge d'électron dialatome, c'est atteint à 0. Alors, on me la partie ion. C'est-à-dire on va travailler sur l'ion d'oxygène. On a de la formation à l'aide de l'ion. Je suis 10. C'est le nombre d'électrons. Quand y a l'ion d'oxygène, il a des électrons. L'atome, ce y a? 8 électrons. électrons. Donc, la question, c'est de savoir ce la Il y a l'atome, qu'il a gagné ou bien ce qu'il a perdu? Et combien des électrons? Est-ce qu'il a gagné des électrons, ou bien, est-ce qu'il soit... a perdu des électrons, ch'hè? Donc, il y soit... a un décision ou C'est-à-dire que l'atome a gagné deux électrons. Donc, soit... 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 il a gagné deux électrons. C'est-à-dire que le symbole de l'ion, l'oxygène, donc il a gagné deux. C'est-à-dire le symbole, ce sera en deux mois. Il a gagné deux électrons. La charge du noyau de l'ion, ch'hè? هي لا شارج دي نوايو ديال لاطوم حيت لو نوايو قد ما تيوقع ليها حتى شي تغيير ملي كتحول لاطوم ليو لو نوايو ديالها تتبقى لا ميم نوايو ديال لاطوم سي بلس 8 او حتى لو نوايو ديال ليو تكون بلس 8 شحال تكون لا شارج دي زيليكترون ديال ليو العدد ديالهم 10 شحال لا شارج ديالهم سي موان 10 او اه. كيل سوغا لا شارج دليو سي دير لا شارج طوطال شنو غنجمعو غنجمعو لا شارج دو دي نوايو ديالو Plus la charge des électrons, c'est-à-dire plus 8e, plus moins 10e. Donc ça donne moins 2e. Donc la charge de l'ion, c'est moins 2e. L'ion, il est chargé. Axe, l'atome. Toujours la charge 0. On passe au deuxième ligne. On a Cl. Cl, c'est l'atome de chlore. Attends, on a la charge des électrons. L'atome de chlore, c'est moins 17e. C'est-à-dire le numéro atomique Z, ça sera 17 c'est-à-dire la charge du noyau supplice 17E et la charge de l'atome c'est 0. L'information, on a à lion de chlore, on a le symbole Le symbole lion de chlorure, on a Cl-. Donc, je n'ai pas l'atome de chlore pour se transformer en ion de chlorure, Cl-. Donc, il a, puis c'est moins fort, c'est-à-dire il a gagné un électron. Il a gagné un électron. Je fais un électron de 17. Donc je vous lire de W. I will 18. Je fais la charge du noyau de lion. Il le noyau de l'atome. Plus 17e. Le nombre d'électrons en deux, c'est 18. C'est-à-dire la charge des électrons, ça sera moins 18. La charge totale de l'électron, donc on fait la somme. La charge du noyau. Plus la charge des électrons. Donc plus 17 e. Plus moins 18e, ça donne moins e. Dernière ligne, on a juste deux informations sur l'ion. Qu'est-ce qu'on a? On a le symbole de l'ion, c'est Zn de plus. On a la charge du noyau de l'ion, c'est plus 30e. Alors, c'est-à-dire qu'il a la tente de zinc, Zn. Donc Zn, c'est-à-dire l'atome, c'est le zinc. Alors, je ce qu'à a de l'atome de zinc pour se transformer en ion de zinc Et dans Zn de plus, c'est-à-dire là, l'atome de zinc a perdu deux électrons. C'est-à-dire plus le il a perdu deux électrons. Alors, la charge du noyau de l'ion, c'est plus 30E. C'est-à-dire la charge du noyau de l'atome, c'est plus 30E, Et le noyau à ça. C'est-à-dire que le numéro atomique de l'atome, donc ça sera 30. La charge des électrons c'est moins 30 ou euh, la charge de l'atome c'est 0. Euh, donc, j'ai calculer le nombre des électrons des lion de zinc. On a l'atome de zinc, il a perdu deux électrons pour se transformer en ion de zinc

plus moins 28e donc ça donne plus 2e donc la charge totale des lions de zinc c'est plus 2e voilà j'espère que le stratmzienn a le tableau et dans le tableau c'est le chis dans des atomes et les ions et à on va d'autres exercices n'ashaAllah que nous comprendre le cours acteur au acteur voilà donc les qui suivent la vidéo à la première mais s'il de la vidéo like وما تنساش شي زر الاشتراك ابوني باش هكذا يقدر يتوصل بجميع لي زيكسيرس و لي كورس اللي كنوضع في لاشين ان شاء الله